Bigalutations à toutes et à tous, c'est Gérard le Génie. On se retrouve pour une vidéo annonce assez importante pour ces prochains jours, semaines, voire mois. L'été approche et les vacances aussi, certains d'entre vous le sont déjà. Mais moi, de mon côté, je n'ai pas de vacances vu que je bosse et le soir je suis sur du montage vidéo. Donc vous l'avez deviné, vous avez pu le voir venir avec ce que je viens de dire, je vais mettre en pause YouTube pour ces prochains jours, histoire de me reposer. Bon, même si je mets la chaîne en pause, ça va pas m'empêcher de poster des vidéos de let's play que j'ai déjà tourné et que je dois monter justement. Mais le rythme journalier, lui, va s'arrêter ici pour le moment. Il se peut que je réuploade des vidéos de jeux dépoussiérés de mes playlists, genre histoire de compléter un peu mes playlists. Je pense notamment à World of Final Fantasy, Final Fantasy XV, Xenoblade Chronicles X et d'autres encore, il y en a plein en fait. Alors, pourquoi cette pause ? Principalement pour me reposer, bien entendu. C'est assez éprouvant de bosser et de faire des vidéos le soir en rentrant pour regarder un rythme journalier. J'ai réussi à tenir plus d'un an comme ça, en m'accordant quelques repos le week-end, je dois bien avouer. Faut dire, là, le temps il passe vite, hein. Je parle notamment aux premiers qui sont arrivés en me découvrant sur les premiers Let's Play, genre Xenoblade, Chronicles X, ou par exemple le tout premier unboxing que j'ai fait, celui de Zelda Majora's Mask. Encore une autre raison pour laquelle je souhaite mettre la chaîne en pause, c'est de pouvoir me buter sur des jeux de mon côté. Genre Persona 5, le mode expert de Zelda, mais surtout Final Fantasy XIV. Avec l'arrivée de Stormblood et mon retard sur Heaven's Sword, j'ai bien envie de me buter, voire no life sur le jeu en rentrant dès que je suis dispo en fait. Surtout avec la refonte de mes skills, je comprends plus rien à mon paladin. Donc du coup, il faut que je m'y mette un peu plus sérieusement. Autre raison encore, j'ai envie de faire autre chose que des let's play là en ce moment. J'ai plein d'idées de vidéos, enfin des idées qui existent déjà, mais des reprises et faites à ma sauce en fait. Vous savez bien comment ça fonctionne YouTube en fait. Les YouTubeurs qui copient très souvent sur des autres YouTubeurs, etc. et tout. Voire même ça m'est arrivé, genre voir des vidéos de YouTubeurs qui avaient plus d'abonnés que moi, me copieront, etc. et tout ça. Ce n'est pas la première fois en fait. Mais ça c'est un autre débat. Du coup, pour les autres idées, je les sortirai au fur et à mesure de l'été si possible. Et surtout, j'ai d'autres projets que j'aimerais mettre en œuvre, toujours concernant le jeu vidéo. Pendant cette période, je vais pas rester indisponible du tout, vous savez, ceux qui veulent vraiment prendre de mes nouvelles, papoter, etc. et tout, je suis totalement disponible, je suis une personne comme vous et moi en fait, et on a à peu près les mêmes horaires ou même les mêmes vacances, des trucs comme ça, y a rien de spécial. Donc je suis disponible, j'ai un Facebook, un Twitter, je réponds assez vite, notamment sur Twitter. Je préfère Twitter d'un autre côté, c'est là où je raconte le plus de conneries en fait, donc c'est là où je suis un petit peu, on va dire entre guillemets, le plus naturel. Les liens sont dans la description pour les intéressés. N'hésitez pas non plus à prendre le Twitch parce qu'il se peut que durant moi cette période, vu que j'ai la flemme de faire du montage vidéo, je ferai peut-être des lives à la cool, genre en mode détente, sans montage, dans lesquels on pourra traîner un petit peu ensemble entre guillemets. C'est-à-dire genre on joue et sans prendre la tête, on va juste plus parler que jouer ou des trucs comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Rassurez-vous, ce n'est pas la fin de ma chaîne, c'est juste que je la mets en pause, je la reprendrai un petit peu plus tard. Pas dans l'immédiat, de préférence, peut-être à la rentrée, je sais pas, peut-être comme ça, ça me donnera 2 mois de tranquillité, voire même, il se peut que je reprenne avant, en fait, dépendant de comment je souhaite remanier un petit peu ma chaîne, etc. Et surtout, si je réussis à finir quelques petits projets perso, en fait. En gros, je fais vraiment une petite pause pour pouvoir me donner plus de temps à moi-même et aux jeux que je voudrais accomplir, finir et surtout me tuer, en fait, dessus. Donc, allez, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances. Envoyez-moi vos photos sur Twitter, faites-moi rêver. Je vous fais à tous de gros picapoutous et on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, bonne Japan Expo à ceux qui y vont.